Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui, on va parler coup de cœur libraire spécial BD Aventure. C'est un sujet très vaste, hein. On va pouvoir dire plein de choses sur des BD très très différentes. Donc avec nous aujourd'hui, on a Orlan qui nous vient de Bruxelles, multi-BD. On a Julien de l'Olibrius à Belfort. Et on a Axel du Comptoir du Rêve à Toulouse. Et pour nous accompagner, Cédric Ilan, qui est donc éditeur chez Glénat, qui va pouvoir donner son point de vue plus éditorial sur tous ces titres et certains en particulier. Merci à vous d'avoir répondu présent pour cette vidéo. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement dans le vif du sujet. Julien, il me semble que tu as un titre qui est pas mal pour aujourd'hui, puisqu'on a une sortie. Voilà, exactement. Je te laisse la main, à toi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, merci de m'avoir convié dans ce petit live coup de cœur spécial aventure. C'est vrai que le sujet est riche, notamment chez Glénat. Donc, l'UCC Dolores, je dirais question aventure, on est bien servi. Alors, effectivement, il y a un petit côté science-fiction, space-opéra, mais qui est très bien fait. Et puis, bon, on sent l'expérience quand même derrière, puisque c'est une série qui est initiée par le Tarkin, donc Didier Lys Tarkin. Voilà, donc c'est pour moi une très bonne série d'aventures qui vient de se clôturer puisque le tome 3 est sorti donc aujourd'hui. Voilà, c'est le point d'orgue de la série. Donc il vient clôturer en 3 tomes cette aventure, donc cette aventure type space opéra. Donc l'UCC Dolores pour le pitch. On va retrouver Sœur Moni en début du tome 1, qui vient d'avoir 18 ans et qui doit quitter l'ordre des nouveaux pionniers. Et directement à sa sortie de l'ordre, elle apprend qu'elle est l'héritière donc d'un ancien croiseur de guerre qui s'appelle l'UCC Dolores, qui appartenait à un général très controversé, donc le général Mac Monroe. Bon, sauf que problème, elle ne sait pas du tout piloter, donc elle va devoir trouver un pilote. Et là, elle va tomber sur Cash, un vétéran un peu taciturne, avec un caractère bien trempé. Donc, ils vont partir à bord de l'UCC Dolores et découvrir un petit peu tous ses secrets, puisque finalement, c'est le vaisseau qui est au centre de la série. Et vraiment, il y a un rythme assez incroyable dans les trois tomes, on va dire. Et enfin, c'est plaisant, c'est efficace. Au niveau du dessin, c'est du Tarkin, hein, c'est tout juste splendide. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment un plaisir réel à découvrir cette série, à se laisser embarquer dans cet univers assez riche. C'est vrai que chaque personnage a son caractère, on a envie d'en savoir un peu plus sur chacun, et puis il y a toujours ce vaisseau en plein milieu qui doit nous livrer ses secrets. Donc je dirais style, on retrouve un petit côté effectivement Lanfeust, enfin sans vraiment que ce soit du Lanfeust, puisque là on est dans l'espace et puis il n'y a pas spécialement de magie ou quoi que ce soit, mais dans l'humour, dans la mise en scène. Ah, c'est très bien fait et on est pris tout de suite dès le premier tome. On a envie de dévorer le deuxième tome. Et chance pour tous ceux qui ne connaissent pas la série, le troisième et dernier tome est disponible. Donc, c'est une série assez courte. Donc, moi, je la recommande fortement. Ça fait partie des pépites d'aventure qu'on peut découvrir dans le monde de la bande dessinée. Voilà. Ouais, puis comme tu dis, comme les 3 tomes sont déjà sortis, effectivement, ceux qui connaissent pas encore, vous pouvez commencer maintenant et vous avez déjà le cycle entier. Et ça, c'est Voilà, super c'est un réel sympa. avantage. Disons qu'on n'a pas l'attente, la fameuse attente du tome 2, du tome 3. Là, on peut tout dévorer d'un coup, puis le redévorer, puisqu'on peut le relire, bien entendu, comme beaucoup de BD.
et on écoute, on découvre encore à chaque fois des nouvelles choses. Donc, non, moi, c'est vraiment une BD d'aventure. Alors oui, on est dans l'espace, mais c'est de la belle aventure. Franchement, moi, je la recommande à tous les amateurs de bande dessinée, tous ceux qui ont aimé Land First, bien entendu, tous ceux qui aiment les space opéra, parce qu'il n'y a pas tellement de séries de space opéra. Hein, quand on regarde bien en science-fiction, le space opéra, c'est pas si courant que ça. Donc, vraiment, pour les amateurs, il faut s'y intéresser. Et Cédric, toi, en tant qu'éditeur, peut-être tu as quelque chose à rajouter sur cette... Eh ben, je vais rajouter, ben, je vais commencer par un petit mot. Effectivement, j'ai la chance de suivre le travail de cette série avec Didier Tarquin et Élise Tarquin, qui se font effectivement particulièrement plaisir sur cette série, où pour eux, c'est l'aventure qui prime, c'est l'action de leur personnage. Je voulais juste revenir sur un petit mot, ce que tu dis que c'est la fin de l'histoire. Non, c'est la fin du cycle. Vous avez, pour éviter justement toute ambiguïté, on a travaillé avec Didier sur la couverture du tome 4 qui est déjà disponible en quatrième de couverture de cet album qui vient de sortir. Donc oui, je vous invite à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette série, ce premier cycle. Vous allez pouvoir découvrir cette héroïne, parce que c'est vraiment une héroïne badass construite avec beaucoup d'amour de la part de Didier Tarquin, et qui se fait un énorme kiff, parce que c'est vraiment le terme, à multiplier les références, que ce soit western ou film de science-fiction. Et quelque part, quand il me l'avait présenté, c'est on va dire c'est un mélange de Sergio Leone et de Star Wars. Pour lui, voilà, on a les références de base, elles sont là. Clairement, il ne s'agit pas d'une série prise de tête. Il s'agit de se faire plaisir, d'être bien. C'est un film pop-corn hollywoodien et ça se dévore. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un bouquin, tu prends l'un, tu as envie de lire le deux et ainsi de suite. Vous avez le premier cycle qui est terminé. Et normalement, si tout se passe bien, vous aurez le tome 4 en novembre l'année prochaine, s'il n'y a pas encore des histoires de confinement pour nous emmerder. On croise les doigts. parfait, bah, pour commencer le live, là, on est sur de la belle aventure. Ouais. On va peut-être changer un peu de registre. Je ne sais pas si Orlan, tu as une BD à nous proposer. Oui, bah, on peut bien changer de registre. Et je peux peut-être parler de Bonbons Super. qui était donc le premier tome était sorti il y a quelques temps et le tome 2 arrive cet été, si je ne dis pas de bêtises. Oui, pareil, on croise les doigts. Donc voilà, ça a été une BD faite par Saïd Sassin, et c'est un peu comme si Pixar avait demandé à Miyazaki de faire un Sailor Moon dans Candy Crush Saga. Je pense que on peut faire quelque chose comme ça. Et donc dans Bonbons Super, on va commencer par découvrir Cassius, qui est un chien avec le cœur brisé depuis la perte de sa femme, qui vit sur une île absolument superbe, très colorée, très pop, mais qui a juré vengeance contre Stan, le prince des enfers, qui a une fâcheuse tendance à se nourrir de cœur. Et pour aider les personnes avec le cœur brisé, il y a donc les bonbons super qui vont atterrir sur l'île de Cassius. Trois bonbons super qui vont arriver sous forme de petites filles et qui, en ingérant des quantités de sucre, vont avoir des grands pouvoirs, comme toute bonne magical girl. Et donc, deux de ces jeunes filles vont tenter d'aider Cassius pour guérir son cœur. Et le troisième bonbon super n'atterrit pas là où il aurait fallu. Et je n'en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise. Et voilà. Et bonbon super, c'est super. Le dessin est magnifique, les couleurs sont incroyables, enfin, c'est top, c'est extrêmement feel good comme lecture. C'était déjà le cas avant, mais typiquement en lecture de confinement, je reconseille à 2000% la lecture de Bonbons Super, ne serait-ce que pour le personnage de ce volcan qui est génial. L'histoire est assez adaptée jeunesse, avec ses histoires d'amour, etc. Mais alors, même en tant qu'adulte, c'est vraiment... c'est un bonbon, quoi. C'est vraiment... le scénario est chouette, les personnages sont adorables. C'est vraiment la...
ouais, une lecture feel good, quoi. Ouais, et puis il n'y a pas d'âge pour le lire, je suis d'accord. Non. Ça se lit tout seul. Très bien. Bon, bah, c'est une belle proposition. Axel, est-ce que tu veux nous parler d'une BD? Ah oui. Oui. Et pas qu'une, mais de deux, puisque c'est un diptyque. Du très beau et du très grand. Je sais pas si on voit bien. Terra Australis et le pavé Terra Doloris. Un peu gros comme BD, effectivement. Un peu gros comme BD, mais du très grand élève Bollé, que j'affectionne tout particulièrement. Et Philippe Niclot au dessin. Là, on part sur une odyssée d'aventure, une odyssée humaine, magnifiquement travaillée et hyper bien documentée grâce au travail titanesque de Élève Bollé. Et un travail hors pair de dessin de Niclou, avec un noir et gris assez profond que je trouve assez angoissant, du coup, mais extraordinaire. Donc, le pitch, c'est quoi? On va suivre l'histoire, en fait, de 11 navires britanniques. Vous l'aurez compris, on part à la conquête de ce qui va être l'Australie. Donc, on va suivre, du coup, les premiers colons australiens. Donc, à bord des navires, donc, du coup, il y a des prisonniers qui vont aller purger leur peine sur cette île gigantesque. Mais il va leur arriver tellement de choses, tellement d'aventures dans cette odyssée, ce qui est admirable. Non, mais c'est bien résumé. Pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement, Laurent-Frédéric Bollé, c'est un des scénaristes de La Bombe qui est actuellement, on retrouve facilement en librairie et dont on parle souvent. Donc voilà, il sait bien se documenter et ça se voit ici. Et dans Doloris, qui est une suite où on va suivre l'histoire de deux protagonistes qu'on n'a pas suivi au début, mais qui étaient dans les bateaux, dans les navires, Marie et Thomas. Eux doivent, comme je disais précédemment, purger leur peine de prison là-bas en Australie, mais ils vont essayer de rentrer dans leur pays natal. Donc on va suivre un peu leur parcours du combattant pour essayer de rejoindre leur père, leur famille, enfin ceux qui restent. Voilà. Donc on va suivre leurs aventures un à un et c'est grandiose. Vraiment. Je le conseille à tout le monde. Très bien, c'est noté pour ceux qui sont en train de prendre des notes pour leur prochaine pile à lire. Si vous avez des choses à rajouter, les autres, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez m'interrompre à tout moment. Julien, est-ce que tu veux nous proposer une autre BD? Alors oui, donc c'est vrai que le choix est large et puis c'est vrai qu'au niveau aventure, on a du choix. Moi, je vais parler un petit peu d'une série qui n'est pas toute jeune, mais qui, à mon sens, est l'une des meilleures séries d'aventure qui soit. Alors, je vais parler du Troisième Testament. C'est une série que je place très haut dans le monde de la BD. Parce que moi, j'adore, c'est personnel, mais voilà. De Alex Alice et Doris Monde. Donc, Alex Alice, on ne le présente plus, et puis Doris, on n'est plus d'ailleurs. Alex Alice avait un style de dessin encore à l'époque complètement différent de ce qu'il fait aujourd'hui, qui était plus réaliste. Et là, donc, dans le Troisième Testament, donc, qui est une série qui est sortie en 97, enfin, donc, le premier tome était sorti en 97, la série de base fait 4 tomes, elle est donc terminée, elle a droit à un petit préquel de 5 tomes qui s'appelle Julius. Donc, le Troisième Testament, qu'est-ce que c'est? On est donc au 14e siècle et, l'histoire démarre par le massacre dans une abbaye, le massacre de tous les moines. Et donc un archevêque va demander à un de ses amis, un enquêteur, inquisiteur, on va dire, Conrad de Marbourg, d'enquêter sur ce massacre. Alors, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que les auteurs, enfin, Dorisson a choisi de prendre comme protagonistes principaux des personnes qui ont,
qui ont réellement existé. Alors, bien entendu, c'est romancé. Et puis, il y a un petit fond d'ésotérisme. Mais on est vraiment dans une aventure un peu médiévale, mystérieuse, teintée de, d'un fond historique assez, assez bien fait, assez poussé. Donc, vraiment, c'est très, très bien fait. Et pour en revenir à l'histoire, donc Conrad de Marbourg va prendre sous son aile la fille de l'archevêque pour aller enquêter donc, sur, sur ce massacre qui va révéler bien des secrets puisque, puisque des textes anciens, très anciens, y étaient cachés. Donc, durant les quatre tomes, on ne s'ennuie pas. On est pris par, par leur enquête, par les rebondissements, par, par la mise en scène impeccable d'Alex Alice sous la coupe de Dorisson. C'est plaisant à lire. C'est, voilà, je peux que la recommander à tous les amoureux un petit peu de ces BD historiques, un peu ésotériques, qui donnent du fil à retordre au niveau de la lecture. Je la recommande. Elle n'est pas toute jeune, donc ça peut être aussi un avantage pour ceux qui n'aiment pas attendre les sorties des tomes en pagaille. Elle est terminée. Et puis le préquel, Julius, vient extrêmement bien compléter cette série de bases. Donc, Julius, ça se passe un peu plus dans l'Antiquité. Et enfin, moi, je trouve que c'est une série à surtout ne pas manquer quand on est vraiment un bédéphile. Voilà. C'est noté. Je crois que le message est bien passé. Je vais rajouter un petit mot parce que c'est effectivement un des très grands classiques de la bande dessinée aujourd'hui. C'est ça a beau être la première bande dessinée d'Alex Alice et Xavier Dorisson, ils ont su créer tout de suite un univers très fort. C'est très rythmé, très riche, très passionnant, très intéressant. Et là où ils ont été assez forts, c'est qu'ils ont proposé quelque chose qui est un peu dans le domaine de l'ésotérisme qui a fait florès quelques années après avec des titres comme le Da Vinci Code, mais ils ont inventé cette manière de raconter et d'aborder, de mélanger l'histoire, l'ésotérisme et la très grande aventure en premier, quasiment, puisqu'on est le premier tome est sorti à la fin des années 90, milieu des années 90. 97, ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'ils ont dû être les pionniers. Hein. Je n'ai pas l'historique, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup des comme ça à l'époque. Et puis, quand on voit les coups, elles sont tout juste splendides. Enfin, c'est de la grande bande dessinée pour moi. Ça, c'est sûr. Très bien. Merci, Julien. Orlane ? Oui. Je pourrais parler d'Elana, qui est une... Excellent choix. Je suis assez d'accord. C'est donc l'adaptation d'une série de romans qui sont des classiques de romans jeunesse, donc de la quête des Willan. Et dans la quête des Willan, on rencontre Elana, qui, je pense, a été... oui, j'ai ramené la couverture du dernier tome, qui est magnifique. Elana, qui, je pense, a été le modèle d'un certain nombre de jeunes filles et jeunes garçons qui ont sûrement joué, ou en tout cas rêvé d'être des marchombres. Et donc, dans cette bande dessinée, on va découvrir comment Elana est devenue ce personnage qui sera rencontré dans la quête des Willan, donc cette jeune fille dont la vie est parsemée de tragédies. Elle perd ses parents très jeune, et comment elle va devenir donc une marchombre, cette guilde de guerriers, assassins, qui vit dans le silence et la poésie, et comment elle a, sans trop vouloir spoiler, mais comment elle a obtenu ces armes redoutables qui font d'elle cette rebelle crainte par tout le monde de Guadalavir. Et donc voilà, ce personnage d'Elana est génial. On a très envie de s'y identifier. Je pense aussi que ça fonctionne très bien en jeunesse. Et c'est un récit, finalement, c'est un récit initiatique autant qu'un récit d'aventure, qu'un récit de
d'amour et de confiance avec tous ces codes, les trahisons, ce monde qui est au bord de la guerre et ce personnage qui essaye simplement de suivre sa voie en tentant d'être la plus intègre possible, la plus honnête possible. Et c'est super, le dessin est magnifique. Enfin, il rend vraiment, vraiment honneur et l'adaptation, du scénario est aussi excellente et ça rend vraiment honneur à cet univers que Botero nous a laissé et qui est pour moi une des merveilles de la littérature jeunesse. C'est vraiment top. Bah, Cédric, qui est l'éditeur, va peut-être pouvoir t'en dire un peu plus sur ce projet. Moi, je suis très content quand j'entends tout ça. Effectivement, l'histoire d'Elana, qui est une sorte de Jedi dans un univers de fantasy, est assez passionnante à suivre. Et je pense que ça crée une héroïne tout à fait recommandable pour toutes les adolescentes, les jeunes lectrices qui veulent s'identifier à une héroïne un peu badass dans un genre complètement différent, évidemment, de celui du CC, de notre amie Molly. Mais voilà, il y a un très, très beau travail d'adaptation fait par Lilian. Et évidemment, le dessin de Monse est formidable. Vous aurez le dernier tome là au mois d'avril, dernier tome de la série Elana, du cycle Elana. Et pour info, vous retrouverez les deux auteurs qui seront aux commandes de l'adaptation de la quatrième et dernière saison des adaptations du roman de Pierre Botero, puisque vous avez la quête des Willan, qui est la série initiale. Vous avez les mondes des Willan, dont le tome 1 est sorti récemment. Je crois que c'était au mois de novembre. Je crois aussi. Vous avez la série Elana et donc vous aurez l'autre, qui est le dernier cycle, qui sortira l'année prochaine en 2022, avec un premier tome vraisemblablement au mois d'avril. Toujours Lilian et toujours Monse aux commandes. Je vois le sourire d'Orlan qui se dit déjà qu'elle va mettre ça dans sa pile à lire. Bon, super. On a hâte alors, hâte de voir la suite. Axel, tu nous proposes quelque chose ? Oui. Alors, moi, je vous propose de continuer avec Azimut de Lupano et Andreae, que j'affectionne tout particulièrement parce que, déjà, il porte bien son nom, puisque c'est les aventuriers du temps perdu. Et du temps perdu, ça c'est clair qu'il est perdu. Pourquoi ? Parce que au royaume de Panduche, on a perdu le nord entre un explorateur un peu fou qui est complètement paumé, une princesse, des complots et j'en passe. C'est un mélange d'humour, d'aventure plus surprenant les unes que les autres. Et de poésie aussi. Moi, ce que j'adore, c'est le travail graphique qui est juste exceptionnel. Ces tons, ces couleurs qui nous met tout de suite dans une ambiance, dans l'ambiance, quoi, qui nous donne carrément le ton dès le départ. C'est juste une magnifique série que je recommande. C'est trop bien, comme à peu près tous les Lupano. Parce que Lupano, c'est Lupano, quoi. C'est l'humour, c'est l'aventure. À chaque page, on ne sait pas où il va nous mener, mais il y va, quoi. Et nous, on suit, quoi. On y va. Et les yeux fermés, Lupano. Et puis, pour reprendre les arguments de Julien, en plus, la série est le cycle de 5, il me semble, terminé. Donc, si vous commencez maintenant... Je crois que c'est une série qui a pas mal d'années, non ? Cédric, tu saurais me dire ou pas le... Je pense que les 5 tomes se sont produits entre... Oui, ça fait une dizaine d'années. Le dernier est sorti en 2019, fin 2019. Oui. Ouais, comme quoi, enfin voilà, c'est pour moi ça reste un classique qu'il faut avoir dans sa BDTech, dans sa bibliothèque. Voilà, c'est génial. Et puis quand on connaît pas Lupano, c'est trop bien. Voilà, je vais commencer. Voilà.
Tu l'as bien vendu. J'espère. Parfait. Julien, tu nous proposes quelque chose? Et puis dans les commentaires, si vous avez des questions sur un titre en particulier, n'hésitez pas. Hein. Ouais, bah du coup, je vais rester un petit peu donc dans l'aventure, on va dire historique entre guillemets, avec pareil une série qui est pas toute jeune, mais pour moi fait partie aussi des classiques. C'est Conquistador, donc de Jean Dufaux et puis Philippe Xavier, qui ont également l'excellent Hiver 1709. C'est une parenthèse. Donc dans Conquistador, bon, on va se trouver dans la conquête donc de l'Amérique du Sud par Cortés, qui met un petit peu sa patte et puis qui vit en despote sur le milieu Inca et Aztèque. Et il a décidé donc de voler le trésor donc d'un chef aztèque qui s'appelle Moctezuma. Alors je sais pas si je prononce correctement. Et pour ça, il va dépêcher une équipe de mercenaires et de soldats, dont Hernando Royo, qui est un soldat et qui est un peu un protagoniste, des protagonistes principaux de la bande dessinée. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans cette BD en 4 tomes, hein, dont le premier tome, je crois, est sorti en 2012, hein, j'avais noté, c'est que on est tout de suite mis dans l'ambiance. On va être très vite envoyé dans la jungle avec cette équipe de soldats et de mercenaires, et ils vont se faire attaquer. Et là, on sait pas par quoi, mais un à un, l'équipe se fait décimer, anéantir, et on les sent un peu impuissants. Donc on est sous tension. C'est une bande dessinée vraiment. On sait pas trop. Est-ce que c'est des êtres humains? Est-ce que c'est une créature? On sait pas. Alors, je fais un petit parallèle, mais bon, moi, ça m'a rappelé un peu l'ambiance de Predator, mais bon, c'est personnel, donc je n'en rajouterai pas là-dessus. Mais voilà, on est sur un style de dessin très réaliste, et ouais, on a envie d'en savoir plus. Et Dieu merci, donc la série étant terminée encore une fois. J'affectionne donc les séries un peu terminées parce que ça permet d'amener plus facilement donc un public sur une série s'il en a pas trop envie. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous lancer dans la série, elle est terminée et c'est assez passionnant, c'est intrigant, on a envie d'en savoir, on a envie de découvrir l'aventure et puis qui finalement les attaque. Et on apprendra qu'on ne s'attaque pas aux Aztèques aussi impunément que ça. C'est une des phrases qui revient dans la bande dessinée. Voilà, super travail. Bonne morale. Très bien. Merci, Julien. Arlène? Oui. Eh bien, moi, je vais vous parler de Peau d'homme. Je pense que plus ou moins, la plupart d'entre nous, en tout cas, on aura au moins entendu un petit peu parler parce que cette BD s'est pas mal faite remarquer et a raison parce que c'est... clairement une des meilleures BD de cette année. On est dans la Renaissance italienne et on va découvrir Bianca, jeune fille de bonne famille. Et comme toute jeune fille de bonne famille, elle doit bientôt se marier avec un jeune homme de bonne famille. Enfin, elle a de la chance, il est jeune. Et elle doit s'en contenter. Et bien que elle soit assez sage pour accepter son sort, elle regrette quand même de ne pas vraiment connaître son futur époux et voilà. Et donc c'est dans cette période de doute que sa marraine va lui faire découvrir un secret de famille, Lorenzo, une peau d'homme donc que Bianca va pouvoir revêtir pour pouvoir arpenter les rues en tant qu'homme. Et donc ainsi, rencontrer son mari dans des conditions un peu différentes que celles à laquelle ils sont destinés. Et c'est super. Et donc voilà. Et donc, par cette peau d'homme, finalement, l'aventure de Bianca commence, puisqu'elle va non seulement découvrir son futur mari, mais elle va se découvrir elle-même aussi, et découvrir sa sexualité, découvrir le monde dans lequel elle vit, et les différences qui sont faites entre hommes et femmes. Cette BD est géniale, parce qu'elle
aborde effectivement les questions d'identité de genre, d'identité sexuelle également, d'orientation sexuelle. Ça pose plein de questions qui sont très actuelles finalement aujourd'hui. Mais c'est amené avec toute cette forme de fable, de conte et d'aventure qui font que même si on n'avait pas l'impression d'être intéressé par ces questions-là, on finit par s'y intéresser et par complètement plonger dans cette histoire qui est racontée d'une manière absolument superbe par Recrété Hubert. Et le dessin de Zanzim fonctionne également à merveille avec tout ça. Et c'est une lecture qui est juste enchanteresse et extrêmement... c'est jouissif, quoi. Je pense que le terme est bien choisi. C'est une lecture qui est absolument incroyable. Les pleines pages, notamment, il y a plusieurs jeux avec des pleines pages où on va voir l'évolution des personnages dans la ville, dans les rues, et ces pleines pages sont absolument splendides. Et donc voilà, il va y avoir toute cette chose, à la fois la découverte, l'aventure, le combat contre le dogmatisme religieux. La personne du frère de Bianca. Je pense que cette BD a été recommandée par vraiment beaucoup de monde, mais je ne peux m'empêcher je ne peux résister à l'envie de la reconseiller parce que c'est vraiment une merveille. C'est super. Mais je crois effectivement que t'es pas la seule. Non. La BD est indispensable de 2020. Ouais. Et en même temps, Hubert, c'est son sujet de prédilection. Il savait tellement bien en parler. Il en parle avec une douceur et en même temps cette poigne. C'est vraiment incroyable du début à la fin. Un gros coup de cœur aussi chez nous. Ouais, gros coup de cœur ici aussi. Et c'est d'autant plus touchant qu'on avait rencontré Hubert à Angoulême juste avant que la BD ne sorte. Et vraiment, ça lui tenait vraiment à cœur, le sujet et puis la BD. Et on le ressent tout à fait dans l'ouvrage. C'est remarquable. C'est vrai. Coup de cœur unanime, donc, pour une aventure, peut-être aventure plus au sens large par rapport à Conquistador ou Troisième Testament, mais aventure humaine, on va dire. Aventure humaine, oui. Merci Roland, merci à tous les trois. Axel, tu nous proposes quelque chose ? Ouais, là maintenant je vais vous parler d'un titre jeunesse qui vient de sortir en plus de ça, donc une pierre deux coups, c'est Alison Ford. Je l'ai dévoré, mais à peine posé, à peine lu et à peine dévoré et coup de cœur dessus immédiat. Donc là, Joris Chamblain et Olivier Frazier nous parlent. Nous conte l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Alison Ford. Ses parents sont des aventuriers. Son grand-père a disparu et en fait ses parents sont partis à sa recherche. Donc elle se retrouve toute seule avec ce qu'elle appelle sa nanny. Mais un jour elle va recevoir un paquet avec une lettre de ses parents comme quoi ils sont ils ont des ennuis et il n'y a qu'elle qui peut les sauver. Donc tout repose sur les épaules très fortes d'Alison Ford et on va suivre ses aventures pour aller récupérer pour aller sauver ses parents et son grand-père qu'elle affectionne tout particulièrement. C'est touchant, c'est beau en fait, c'est juste beau du début à la fin. Scénaristiquement parlant, Joris Chamblain, l'histoire est construite, l'histoire se tient. C'est de la bonne BD d'aventure jeunesse et c'est bien. Enfin, ça va. Je pense que c'est un titre que je vais vraiment pousser parce que ça mérite. Ça mérite que des ados et que des enfants s'y intéressent. Et c'est rare. C'est rare, donc j'espère que ça va leur donner envie de lire. Voilà. Et c'est pas parce que c'est une héroïne fille que c'est pour les filles, ça se lit vraiment... J'ai oublié de le préciser, mais je pense que c'est déjà... Mais c'est vrai. Ça se lit très bien, garçons et filles, voilà, c'est vraiment super.
Tu peux dire au garçon que c'est une Indiana Jones jeunesse. C'est vrai que je pense que ça va marcher dit comme ça parce qu'en plus, c'est vrai, elle a un tempérament digne d'Indiana Jones. C'est punchy, c'est une jeune fille forte. Voilà. Donc, c'est bien. Tout ce qu'on aime au comptoir du rêve. Parfait. Merci, Axel. Arlène, tu nous proposes quoi cette fois-ci ? Je pense qu'on peut rester sur de la lecture jeunesse avec des personnages majoritairement féminins, mais qui se lient très bien, peu importe notre genre. Mais Bergère guerrière, bon, avec cet écran, en fait, on ne voit rien du tout, mais Bergère guerrière, qui est juste une de mes BD doudou, une BD chouchou que je ne me lasse pas de conseiller et de relire dans cet univers un peu vikingo-celtique avec le dessin qui va avec et qui est superbe. On va découvrir un village où les hommes sont partis à la guerre il y a plus de 10 ans, une guerre un peu mystérieuse. Pour défendre ce village, donc, les femmes se sont organisées dans une case qui est la case des bergères guerrières, donc, qui combattent à dos de boucs de combat, qui sont les créatures les plus badass que j'ai jamais vues de ma vie, j'en veux un. et donc, on va suivre Molly, une jeune apprentie qui va justement commencer sa formation de bergère guerrière, et son copain Liam, qui lui aussi veut devenir bergère guerrière, quand bien même c'est un garçon, il n'y a pas de raison. Et donc ils vont commencer leur apprentissage. Évidemment, la route de leur apprentissage va les mener vers la découverte d'un grand danger qui pèse sur le village, impliquant de la magie, de la sorcellerie, et voilà. Et c'est une aventure qu'il est extrêmement agréable de suivre. À chaque fois, les personnages évoluent de manière absolument géniale. Et le troisième tome, donc, qui est sorti cette année, il me semble. Les notions de temps en ce moment sont un petit peu tordues, mais est sorti assez récemment. Et donc voilà, on va un peu plus s'intéresser à l'origine derrière ce village, et donc derrière Molly, Liam, qui n'ont jamais été autant en danger. Et donc il va y avoir un grand voyage qui va se former, et avec toute une expédition de personnages qui sont absolument tous plus géniaux les uns que les autres. Les bergères guerrières sont incroyables, toutes les mamans, les frères, et donc les bergères guerrières et Liam sont géniaux. C'est extrêmement drôle. Cette BD contient d'ailleurs ce que j'aime beaucoup dans la littérature jeunesse, c'est donc une BD qui ne prend pas ses jeunes lecteurs et lectrices pour des imbéciles du tout. On n'y va pas par quatre chemins, et donc on parle le langage à la fois de l'enfance mais aussi de l'adulte, et c'est génial. C'est pour moi une des meilleures séries jeunesse qui est sortie de ces dernières années. C'est top. Et le dessin, quoi, ce dessin est superbe. Et là, vous avez la couverture du tome 4 qui n'est pas encore sorti, mais du coup, un petit peu en avant-première, qui sort, qui est prévu pour cet été, il me semble. Donc, septembre, je crois. Ah bah pour septembre, alors. Mais voilà. On a hâte de voir, effectivement, comme tu dis, ça plaît beaucoup, hein, les filles, les gars, les jeunes, là, ils aiment beaucoup cette série. Donc les adultes aussi. Hein. Et les adultes aussi, tout à fait. Là. Moi, la première. Oui, c'est une BD très intelligente, très intelligemment racontée aussi, et qui touche évidemment le public jeunesse en premier lieu, mais je pense qu'elle est suffisamment, pour moi, c'est du tout public, elle est formidable. C'est à conseiller et à mettre entre toutes les mains. Très bien résumé, Cédric. parfait, merci Arlène. Julien, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, moi, je vais parler donc, d'une BD dont le tome 2 est sorti en fin d'année. Pareil, avec la lumière, on ne voit pas très bien. C'est Liberty Betsy. Donc, c'est une BD d'aventure, pareil, à fond historique. Et puis, on va dire, avec des thèmes un peu forts, hein, puisque l'héroïne va être confrontée donc
à la ségrégation, au racisme, au misogynisme. C'est une BD par Vincent et Jean qui avait réalisé Le Grand Mort. Donc, c'est quand même il y a de la qualité derrière. Et on se retrouve donc dans l'Amérique des années 40, enfin après la Deuxième Guerre mondiale, hein, fin des années 40, donc à Tuskegee, je ne sais pas si je le prononce, Alabama. Donc on va découvrir la jeune Bessie Bates qui rêve de devenir pilote, mais qui se confronte effectivement à toutes les difficultés pour accéder au statut de pilote. Hein. Déjà les femmes, c'est compliqué, mais encore plus elle est noire. Donc alors là, on dire qu'elle a aucune chance, mais elle s'obstine, elle essaye. Et un jour, elle reçoit donc la plaque, une médaille de son père, qui était un héros de guerre, qui a disparu. Ça va lui donner envie de retrouver sa trace, hein, puisqu'il a disparu, mais il n'est pas censé être mort, donc elle a envie de le retrouver. Donc, visiblement, il faisait partie donc, de ces... Tuskegee Airmen, qui au cours de la Deuxième Guerre mondiale étaient des pilotes afro-américains, pareil un peu cachés, hein, c'était les Red Tails. Donc elle va partir à sa recherche et ça va l'amener en Europe. Donc elle va arriver à Paris et puis à Paris, elle va avoir la chance de rencontrer Lulu dans une compagnie de fret et c'est lui qui va la faire piloter. Donc c'est une histoire qui est bien menée. On suit Bessie avec intérêt dans sa quête de retrouver son père. Les dessins sont splendides. Vraiment, il y a des pages d'aviation rien à envier à un certain Hugo. Enfin, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et la plupart des amateurs d'aviation de la librairie ont reconnu la qualité du dessin, notamment sur les planches d'aviation, puisque en général, les amateurs d'aviation, il n'y a que ça qui compte. Mais voilà, là, il n'y a pas que ça, il y a du fond, il y a vraiment ce côté historique et puis ce désir de cette petite Bessie d'arriver coûte que coûte assez fin et puis elle y arrive quand même malgré toutes les difficultés liées à l'époque. Voilà, moi, c'est une BD donc en deux tomes que je recommande vivement pour tous les amateurs et d'aviation. Et pour tous les amateurs d'aventures un peu historiques, les dessins sont superbes, la mise en scène est extra. Voilà, je la recommande vivement. Et puis, je pense que vous prendrez du plaisir à la lire. En deux tomes, ça va vite. Ouais, et puis, comme tu dis, c'est vrai que c'est suffisamment documenté pour que les fans d'aviation soient contents. Et si en même temps, on n'y connaît rien, ça se lit très bien tout seul. C'est très sympa à lire, c'est facile à lire, il y a une belle histoire. Oui, ce qui est attachante, Bessie, vraiment, c'est super. Tout à fait, on a envie de voir jusqu'où ça va aller, son aventure et son histoire. Oui. Parfait, merci Julien. De rien. Après, tu nous proposes quoi cette fois-ci? Là, on va partir sur de la grosse bagarre et de la grosse moustache, comme on aime. De la bagarre, de la grosse moustache, du gros flingue et de la course poursuite et surtout des aspirateurs. Je crois que vous voyez de quoi je parle. On ne le présente plus, mais je vais vous le présenter quand même. C'est le Ramirez, du coup. Alors Ramirez, c'est une... Comment expliquer ça? C'est du pulp fiction en fait. Ça va vite, il y a de la course poursuite, il y a des grosses voitures pimpées. On n'a pas le temps en fait. Dans cette BD, il y a tout qui arrive très vite. Ça fait du bien en fait une BD comme ça. C'est frais et en même temps. On n'a pas envie de le lâcher, quoi. C'est vraiment à la fin du tome 1, j'étais mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai entre mes mains en fait? C'est assez incroyable le travail de Nicolas Pietrimo, qui est et dessinateur et scénariste. Enfin, le scénariste, enfin le scénar est construit. Vraiment, c'est du grand du Tarantino, quoi. Vraiment du Tarantino, c'est l'aventure à haut niveau. Donc pour vous parler un peu du pitch, on va suivre du coup l'histoire de Ramirez, qui est un génie de la réparation d'aspirateurs
à la Robotop. Mais c'est pas un travail si tranquille que ça, en fait, surtout quand on a la mafia qui arrive, qui se mêle un peu de ses affaires, alors que lui, bah, il a rien demandé au départ. Et là, ça part, quoi. Ça fuse. On voit pas arriver le truc et on prend du plaisir à chaque page, à chaque case. C'est très rare, en fait, pour moi, une BD comme ça, où j'ai pris autant de plaisir à lire le tome 1 et le tome 2, du coup, qui est paru très récemment, qu'on attendait tous avec tellement d'impatience. Je pense que c'est pareil pour vous aussi, chez vous, Julien et Orlane. On l'attendait, hein, cette BD. Et franchement, j'ai pas été déçue et mes clients non plus. Donc, c'est juste trop bien, quoi. Il en faudrait plus des BD comme ça. Donc, Nicolas, si tu nous entends, vas-y. On va le cloner. Allez. Exactement, ouais. On va le cloner. Ouais, c'est génial. Ouais. Je crois que tu as dit ce qu'il fallait dire sans trop en dire non plus, parce que de toute façon, il faut la lire pour comprendre. Bah, il faut la lire. C'est hyper important. Et il faut la décortiquer, parce qu'il y a plein de petites références, il y a plein de petits clins d'œil. Ouais. C'est un dingue, hein. Il a passé des trucs partout. Il a un sens du rythme aussi qui est assez fou. Je crois qu'il a travaillé dans le jeu vidéo avant de faire de la BD, si je ne dis pas de bêtises. Et, en tout cas, je trouve que ça se ressent un petit peu dans sa BD, quoi. Il y a vraiment... C'est vraiment un truc, quoi. Il faut la lire et la relire. Ouais, le côté amoureux des années 80, enfin, c'est... Il y a tout, quoi. Il y a tout, il a tout mélangé, tout. Il a sorti quelque chose de... Enfin, moi, que j'ai adoré relire aussi. Notamment pour tous les petits détails que j'avais pas... J'ai tellement dévoré que j'ai pas fait attention forcément à chaque détail. Du coup, bah, j'ai pris encore plus de plaisir à le relire une deuxième fois. Et c'est trop bien. Mais du coup, il nous a bien embêtés, parce que quand des lecteurs viennent nous dire « Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme il faut flinguer Ramirez ?» Bah, il n'existe rien. C'est pas possible. Et là, tu dis « Mince !» Et ouais. Ben, ben, je sais pas. On attend l'acte 3 pour re-relire, alors. C'est ça. C'est ça. Bah, t'as qu'à dire, relisez-le. Voilà. C'est vrai. Il y a tellement de choses à découvrir que oui, il peut être lucide. Éventuellement, ils peuvent le racheter, ils auront l'impression d'avoir une BD neuve. Bonne idée. Oui, du coup, il y a le Valhalla Hotel, du coup. Ouais, qui... dans la même lignée. Ouais. Voilà, c'était un petit tips. Ouais. Voilà. Un peu différent, mais je comprends les similitudes. Un peu différent, mais ouais. ça se tient aussi, ça se cuit, c'est assez punchy aussi, donc voilà, c'est. Parfait. Je dirais que c'est une bonne suite aussi quand on a fait une bière Ramirez, qu'on cherche l'inspiration, que nos clients qui errent à l'abandon en train de chercher quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à Ramirez, voilà, ça se tient. Très bien. Bon, bah, merci pour Ramirez. Ça, on passera le message à Nicolas qu'il faut qu'il travaille plus. Julien, tu as encore plusieurs titres à nous parler. Tu peux nous parler de quoi cette fois-ci? Ouais, alors je vais peut-être essayer d'être plus rapide, mais une BD que j'affectionne particulièrement, qui est Docteur Radar. Je ne sais pas si on la voit correctement. On va afficher. De Bézian et Sim Solo. Alors, Bézian, il a vraiment une patte et un univers graphique très, très particulier. C'est souvent on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Après, dans Docteur Radar, il nous livre une bande dessinée qui, graphiquement, pour moi, c'est tout juste splendide. Il y a un rythme, il y a un sens des personnages, il y a les jeux d'ombre, il emprunt bien le mystère qui tourne autour de ce mystérieux docteur Radar. Alors pour le pitch, donc on est en 1920, hein, sur le tome 1. Donc des savants sont assassinés les uns après les autres, et le point commun de tous ces savants, c'est qu'ils étaient tous spécialisés dans la conquête spatiale. Donc Ferdinand Straub, qui est un as de l'aviation et qui est aujourd'hui détective, va se lancer donc à la recherche du meurtrier. On va vite s'apercevoir qu'il s'agit du docteur Radar, qui est passé maître dans l'art du déguisement. Donc on est vraiment dans ce côté fantomas. Enfin, c'est
c'est génial. Il y a un rythme dingue, il y a des images, des cases, une mise en scène de fou. Graphiquement, il y a peu d'équivalent. Je me rappelle d'une scène où il y a le train qui passe sur un pont et puis le détective Ferdinand Straub qui se lance à la poursuite d'assaillants. Il est là le long du train, ça va à toute vitesse. On a presque l'impression d'avoir du vent dans les cheveux. Enfin, c'est remarquable. Alors, c'est pas souvent. Les gens ont du mal parce que graphiquement, c'est peut-être pas ce à quoi on a l'habitude de voir en tous les cas pour de la BD sur ce format-là. C'est peut-être plus attendu, on va dire, en type de roman graphique. Hein, mais franchement. Ceux qui l'ont lu en général sont rarement déçus. Et puis, ouais, on est vraiment dans cette ambiance à la Fantomas que j'affectionne particulièrement. Donc, je la recommande vivement. Donc là, il y a 2 tomes. Je ne sais pas pour l'instant si un tome 3. Cédric, peut-être, va pouvoir nous en dire un peu plus. Et oui, mais écoute, merci d'abord pour ce coup de cœur sur une de mes séries fétiches aussi. Ouais. Non, mais écoute, c'est vrai que cette histoire de Fantomas délirant est un vrai hommage au feuilleton des années, du début du XXe siècle. Et les deux auteurs, Sim Solo pour le scénario, qui avait inventé ce personnage pour un feuilleton radiophonique à l'époque, dans les années 90, se prend un malin plaisir à délirer autour de ce personnage de fou délirant. Et effectivement, Bézian, il propose graphiquement quelque chose qui est exigeant d'un point de vue du dessin, de l'approche, de la narration, mais c'est splendide. Il a un véritable talent qui, enfin, pour moi, il mériterait d'avoir le Grand Prix d'Angoulême. Donc, pour te situer un peu le niveau où je place le talent du monsieur. Et. Résultat, le mariage justement entre son univers graphique qui est décalé, détonnant, qui est dans ce noir et blanc très expressif, qui rappelle les films noirs des années, le cinéma expressionniste allemand des années 20, des années 30. Il y a un vrai référentiel graphique qui est très très fort. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, que vous aurez un tome 3 au mois de septembre. Puisqu'il est en train de terminer le noir et blanc, il aura terminé la couleur dans les temps et vous aurez ce troisième opus qui s'intitule « Mort à Venise » que vous retrouverez donc au mois de septembre dans les bacs. Voilà une bonne nouvelle. Julien est content. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est vrai que graphiquement, il y a peu d'équivalent et je suis assez d'accord que dans le 9e art, oui, il mérite largement d'être reconnu. C'est splendide. Moi, j'ai pas de mots, c'est vrai. Eh ben, on n'en dit pas plus alors. Non. À découvrir. Franchement, okay, laissez-vous tenter. Ça marche. Orlane, qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci? Si on partait dans de l'aventure fantasy. Genre de la bonne, pas du tout, je suis navrée en français. Mais donc moi je voudrais vous parler de Sa Majesté des Ours, une aventure de fantasy avec des personnages animaux anthropomorphes, comme je pense qu'on est nombreux à être amateurs de ce genre de choses. Dans Sa Majesté des Ours, on découvre le royaume de Valencyr, qui est justement dirigé par le roi Ours Artus. Et ce royaume va être perturbé par la découverte un matin sur une plage d'un jeune humain endormi. Qui va donc être amené séance tenante devant le roi. Or, ce jeune humain va annoncer qu'il est le fruit de terribles expériences magiques et il va donc annoncer le retour d'une terrible nécromancienne qu'on pensait disparue. Et cette menace qui pèse sur le royaume est donc terrible. On va donc dépêcher une équipe pour tenter d'élucider ce mystère, de mettre
de s'assurer de ce retour et surtout de se préparer si jamais ce retour s'avère vrai. Cet équipage va donc se composer du prince Kodiak, le fils donc du roi ours, avec son ami d'enfance Lovin Terrestre, un petit peu Thélème, qui est une jeune panda, ainsi que donc de l'humain Ifrit, d'une petite loutre et de Milius, leur maître d'armes ours également. Ils vont donc embarquer sur un bateau et partir dans un périlleux voyage dont la première étape sera le royaume des oiseaux, qui est extrêmement classe. L'utilisation des oiseaux est géniale. Je suis d'ailleurs particulièrement séduite par le choix des espèces d'oiseaux. Enfin, il va y avoir des gardes qui sont des serpentaires, il y a un bec en sabot du Nil. Enfin, c'est des oiseaux qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir et qui correspondent extrêmement bien aux personnages qu'on leur a attribués. Et donc voilà, enfin, c'est le dessin est de casse-grain, donc on sait qu'on va avoir affaire à quelque chose d'une grande qualité, que les couleurs vont être superbes. Mais là, ça marche vraiment bien. Le côté animaux, c'est pas juste une petite fantaisie, ça apporte une vraie plus-value au récit, que ce soit par rapport à la caractérisation des personnages, par rapport au fait que justement, il y a des humains dans cet univers. Ce n'est pas juste un univers où on a remplacé les hommes par des bêtes. Et c'est génial. Et les codes du roman d'aventure fantasy sont à la fois tout à fait respectés, mais ils forment quelque chose d'extrêmement addictif et vite la suite, quoi. On veut la suite. Je crois que c'est prévu pour septembre, mais bon, peut-être que ça peut être décalé, mais il me semble. On n'espère pas. c'est vraiment top. Une très très bonne lecture, une très bonne surprise. Parce que oui, je parle de casse-grain, mais évidemment, les scénaristes Vatine et Dobbs, on sait toujours que ça va être des... Enfin, c'est pareil, ce sont des noms qu'on ne présente plus, qu'on n'a plus besoin de présenter, mais ils sont parfaitement à la hauteur de ce qu'on sait de quoi. Parfait, merci Orlane. Axel, je crois que tu as un dernier coup de cœur à nous présenter de ton côté. Exactement, et il se trouve que c'est aussi le même Corlane, donc si jamais tu as... autre chose que je veux rebondir, n'hésite pas. Moi, celui que je vais présenter, c'est Mickey et la Terre des Anciens. Pourquoi ? Parce que pour moi, et je pense pour beaucoup, c'est comme une Madeleine de Proust. On suit donc c'est juste parce que c'est Mickey, quoi. Et puis Philippi et Camboni, donc du coup, ils sont de retour pour cette grande des nouvelles aventures qui nous plongent au cœur d'un monde fantastique où tout un peuple en fait vit sur des îlots flottants dans le ciel. Seulement voilà, peu à peu de ces îlots sont emportés par de grosses bourrasques de vent. C'est là où Mickey et toute sa team rentrent en scène. C'est le choix des couleurs, la qualité du dessin, Philippi Camboni, enfin les deux ça match totalement, et je suis très contente qu'il y ait cette série d'aventures avec Mickey et notamment avec ces deux grands auteurs, parce que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne même très bien. C'est vraiment un univers comme on voit là, c'est juste fantastique, quoi. Dès que je le présente, les gens s'arrêtent en fait dessus, rien qu'en voyant les dessins. Et je les comprends parce que du coup, c'est incroyable. C'est un travail graphique que moi je reste à chaque fois sans voix dès que je le vois, quoi. Et le scénario est chouette. Ça nous transporte vraiment dans un monde merveilleux. Et quand je dis Madeleine de Proust, en fait, c'est vraiment le cas. En fait, je retombe en enfance à chaque fois que j'ouvre cette collection des Mickey. Et je pense que Orlane, je sais pas, je pense que t'es aussi d'accord avec moi. Hein, c'est un peu notre... Ouais, c'est... Je pense que le dessin parle de lui-même. J'aime bien aussi le fait que, enfin, ils avaient déjà fait L'Océan Perdu avant, qui était de la même veine. Et j'aime bien le fait qu'ils n'hésitent pas à complexifier aussi un petit peu les histoires de Mickey et de notamment
en ajoutant, enfin, tout ne tourne pas que autour de Mickey. Moi, j'adore Minnie dans Mickey, la Terre des Anciens, qui a ses propres buts, ses propres objectifs, qui sont pas toujours en accord avec Mickey. Enfin, on part vraiment sur du gros récit fantasy, quoi, avec des grosses influences de Tolkien, avec. Fantasy est beaucoup plus adulte, en fait, aussi. C'est vraiment une idée Mickey adulte et qui fait plaisir, en fait, parce que c'est vrai que quand j'essaie de le conseiller à des adultes, ils trouvent ça joli, mais ils disent, mais c'est carrément pour enfants, ça, c'est pour bébé. Et en fait, ils regardent les dessins, je dis, mais non, mais regardez ça, enfin, c'est juste extraordinaire, quoi, c'est trop bien. Moi j'adore cette collection et je suis, contente au possible qui. La collection est excellente. Ah ouais, excellent. Super. Elle a eu peut-être du mal à démarrer, je sais pas, mais en tous les cas, aujourd'hui, elle a son public et puis il y a des ouvrages remarquables. Hein, Café Zombo. Des belles créations originales. Ouais, c'est une super collection. Belle couleur. Merci Axel. Je crois que Cédric, tu veux nous présenter tes propres coups de cœur qui ont un petit lien avec Mickey. En tout cas, avec celui-là. Eh bien, en fait, oui, comme vous avez si bien présenté le travail de Denis-Pierre Filippi, qui est magnifié par le travail de dessin de Silvio Camboni dans leur Mickey, je voudrais vous présenter deux autres séries de Denis-Pierre, toujours aussi bien accompagnées par des dessinateurs de talent, parce qu'il aime s'entourer de dessinateurs de talent. Et je vais commencer par vous parler d'un premier tome qui sort aujourd'hui dans vos librairies, qui est Terra Prohibita. Il s'agit là d'un récit de pure aventure dans un univers qu'on appelait steampunk végétal. Alors pourquoi cette dénomination un peu particulière? En fait, nous sommes au début du XXe siècle et l'Angleterre a subi une contamination biologique qui fait muter la végétation, devenue incontrôlable et meurtrière, et l'île a été mise en quarantaine. Les habitants ont dû fuir le continent et l'île britannique est devenue Terra Prohibita. Alors, je vous rassure, hein, toute ressemblance avec l'actualité récente est évidemment fortuite. Bref, bien évidemment, de nombreux chercheurs vont voir dans ce développement de cette faune, de cette flore, une source de richesse. Et nous aurons très vite également dans Paris des zones de quarantaine liées à des expériences qui ont dégénéré. Et au cœur de cet univers réinventé, nous allons suivre une troupe de personnages que tout oppose, mais qui vont tous poursuivre un même but, qui est de lever le voile sur les mystères qui entourent l'origine de cette contamination, et que les autorités s'évertissent à vouloir garder secrète. Alors, cette nouvelle série, elle propose un univers vraiment original, et l'imaginaire de Denis-Pierre Filippi, il profite pour inventer un monde végétal dans lequel il multiplie les fausses pistes, les rebondissements, les actions, etc. Et il s'est associé pour l'occasion à un super dessinateur, Patrick Lomont, avec qui il avait déjà travaillé sur une série précédente aux Humano dans les années, au début des années 2000, une série qui s'appelle John Lord. Et donc, Patrick, il a mis son talent au service de ces images, de cet univers, en nous mettant vraiment plein la vue. Il fait un travail remarquable, avec des décors magnifiques, d'une grande richesse, et il s'est fait vraiment plaisir à imaginer cet univers végétal, à recréer des bâtiments, des véhicules, et à trouver un peu des idées assez inédites pour renouveler un peu le genre steampunk. Voilà, pour moi, c'est un premier tome d'une excellente lecture d'aventure que je vous recommande vivement et dont vous aurez la fin du cycle dès le mois d'avril, ce qui fera plaisir à Julien puisqu'il préfère vendre les histoires complètes. Et je crois qu'on a même la couverture du tome 2 en avant-première. Ouais, magnifique. C'est remarquable, voilà. Les couvertures sont remarquables. Ouais. C'est très beau. Et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus... Et puis le... À 18h, on fait un live avec les auteurs, donc si vous voulez en découvrir un peu plus, n'hésitez pas. N'hésitez pas, exactement. Et donc Denis-Pierre Filippi, qui n'aime rien tant que développer ce genre d'univers de fantasy, de science-fiction, de grande aventure, en essayant de rendre le tout assez, d'amener une certaine complexité, c'est ce qui vous avait plu, je pense, dans les Mickey. Est-ce qu'il peut donner ce caractère un petit peu adulte, c'est qu'il n'hésite pas
à donner, à être très, très généreux dans les rebondissements, dans la qualification des personnages et ainsi de suite. Et là, je voudrais vous parler d'une série de science-fiction, de space opéra, parce que Julien, tout à l'heure, quand tu présentais UCC Dolores, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de space opéra, donc je vous en présente une deuxième. Et là, nous sommes dans le registre de l'aventure vraiment à grand spectacle, avec Colonisation. Vous avez déjà 4 tomes sortis en librairie. Vous avez le tome 5 qui sort au mois de février, là, dans un mois, de 10 février. Alors, pour rappel, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, le principe de cette série, c'est que ben voilà, la surface de notre bonne vieille Terre n'était plus si merveilleuse à la fin du 21e siècle. Et résultat, l'humanité imagine coloniser d'autres planètes. Mais bon, notre faible maîtrise technologique, elle n'est pas que française, fait que les vaisseaux, des nefs remplies de colons avec des scientifiques, des techniciens, des soldats, etc., endormis dans des caissons d'hibernation, sont censés aller trouver des planètes à coloniser. Ça, c'est le tout le point de départ. Et puis, en fait, quelques temps plus tard, il y a un peuple extraterrestre qui a eu vent de notre envie de voyage, les Attils, et ce peuple a décidé de venir nous faire un petit coucou afin de partager leur technologie hyper avancée, permettant des déplacements hyper rapides et donc notre colonisation de nouvelles planètes. Sauf que cela est arrivé un peu tard pour les premiers colons qui étaient partis dans leur fameux caisson. Ce qui fait qu'une fois effectuée l'expansion de l'humanité dans l'espace avec la collaboration des gentils Attils, une agence s'est créée afin de récupérer les nefs et les colons égarés à travers la galaxie. Une agence dont l'une des équipes de récupérateurs est justement notre groupe de héros que l'on va suivre tome après tome dans leurs aventures. Alors, ce qui est intéressant dans cette série, dans la manière dont vous, libraire, vous pouvez la proposer, c'est que chaque album est conçu comme un one-shot, avec à chaque fois l'idée d'aller sur une ou deux nouvelles planètes à la recherche des nefs de colons perdus. Et ce principe de mission de sauvetage est l'occasion pour Denis Pierre d'inventer tout un tas de péripéties, de planètes dangereuses, de colons en détresse, en mélangeant les références et en subvertissant même parfois les codes classiques de l'ASF. Bref, c'est de l'action à revendre, il y a beaucoup de suspense, du danger, mais également enrichi par un deuxième niveau de lecture scénaristique avec une trame de fond qui s'impose progressivement dès le premier tome sur le rôle réel que jouent les Attils aux côtés de l'agence de récupération, permettant à Denis Pierre de prendre régulièrement à contre-pied le lecteur à chaque tome pour relancer la machine et comprendre qu'au-delà des aventures simples de nos héros, il y a une grande histoire qui est en construction. Et cette série, qui est donc plutôt très dense sur le plan scénaristique, propose également un univers riche sur le plan graphique avec un dessinateur italien, Vincenzo Cucca, qui lui s'éclate littéralement à proposer des décors impressionnants, des vaisseaux spatiaux variés, des villes futuristes, des architectures luxuriantes, pour que cet univers s'imprime bien dans les rétines des lecteurs. Et je pense que le résultat est à la hauteur de leur travail. Il y a beaucoup c'est une série qui se construit avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous avons signé pour aller jusqu'à au moins 8 tomes. Et voilà, vous avez le cinquième qui sort dans un mois, le 10 février. Voilà, je ne sais pas comment ça marche de votre côté, ces séries SF, mais je vous la conseille. Ça marche plutôt bien. Ouais, écoute, merci Cédric pour tout ça. Deux beaux projets, Colonisation et Terra Prohibita, avec des nouveautés en plus, donc n'hésitez pas. Julien, je te propose de conclure avec ta dernière proposition de BD pour finir ce live. Alors, il m'en restait deux, j'avais le choix, tu m'en laissais le choix. Donc, c'est vrai qu'il y avait l'aventure fantastique avec la famille fantastique en jeunesse que j'affectionne particulièrement, mais bon, je ne peux pas résister à l'envie de présenter Elric parce que je suis absolument fan. Et puis, pour tout dire, je lisais donc Moorcock quand j'étais jeune, adolescent, et il a un univers tellement riche, cet auteur, cet écrivain, en dark fantasy, on va appeler ça de la dark fantasy, que je pensais que ce serait inadaptable, que personne ne pourrait jamais adapter ça en images,
ni même en film, ni même en bande dessinée. Et pourtant, le travail à quatre mains qui a été réalisé là est fait. Le job est fait. Ils ont adapté à merveille ces romans qui tournent autour de Elric et de son épée mythique, de Stormbringer. Donc, on va y découvrir la vie de cet empereur, dernier empereur de Melniel Poney, qui est en fait Elric, qui a besoin de puiser du sang pour pouvoir survivre, hein, puisque c'est un albinos, il a un sang vicié, et il est obligé de se nourrir du sang d'autrui, et c'est son épée un peu maléfique qui va l'aider à cela, Stormbringer, qui a une âme, et c'est un travail, enfin, moi je trouve absolument parfait d'adaptation. Voilà, je pense qu'on ne peut pas mieux adapter Moorcock qu'avec cette série. Voilà, je voulais la saluer, je le fais rapidement. C'est vraiment, je recommande pour tous les amateurs de Dark Fantasy. Hein, on peut parler de Requiem aussi, qui est un peu dans cet esprit-là. Mais Elric, pour moi, c'est le must du must sur ce registre. Bah écoute, tu seras heureux d'apprendre que le tome 4 arrive enfin pour la fin du deuxième trimestre. C'est impeccable. Et pour les situés amateurs de Moorcock, sache que nous avons déjà mis en production l'adaptation de Hawkmoon. Ah, remarquable aussi. Voilà, autre dont le premier tome sortira en 2022. D'accord. Ah bah, j'ai hâte. Vivement 2022. C'est clair. Je crois que Julien, il a augmenté toutes ses listes de choses à voir. Alors celui-là, bientôt, ouais. celui-là à lire. J'ai pas pris de notes, mais j'enregistre. Bah, le replay est disponible si tu veux te re-regarder et écouter les. D'ailleurs, je noterai ce coup-là. Pour tout le monde, hein, ceux qui sont arrivés en cours et qui voudraient voir un peu ce qui a été dit avant, n'hésitez pas, le replay sera disponible sur YouTube et Facebook. Merci à tous les quatre pour avoir été avec nous ce soir. Orlane, Julien et Axel, super libraires qui vous attendent en librairie pour vous proposer encore plein de nouveaux titres et vous proposer ceux qui vous ont présenté ce soir. Merci Cédric pour le point de vue. Merci à vous. Toujours très intéressant à avoir. Pour ceux qui seraient plus intéressés, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres lives, notamment sur Terra Prohibita dont Cédric nous a parlé, ou sur La Part de l'Ombre dans un autre registre. En tout cas, vous avez été super. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les couleurs. Là, c'est très bien. La belle aventure comme on aime. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et puis, à très vite. N'hésitez pas à vous rendre en librairie pour avoir des propositions de lecture de vos libraires. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée.